terminées dans les écoles, parce que pour la plupart des profs, c'était pas perçu comme des œuvres, mais comme des sous-productions, ce qui était difficile à défaire derrière, d'ailleurs, voilà. En fait, bah, l'édition, je l'ai pas. Il en reste une sur la table, elle est en solde à 5 euros au lieu de 10. Juste la table là-bas, il en reste 5 euros, c'est tout à 5 euros. Hein, c'est le, et en fait, c'est une édition qui coûtait... enfin, donc chaque couverture coûtait 10 euros pièce. Je ne vais pas raconter maintenant... Ah, mais c'est ça, merci. C'est celle-là. Ouais. Vous venez de l'acheter? Oh, merci. Oh là là. Et qui s'est dit, bah, je ne vais pas dormir de la nuit et je vais faire une édition et je vais la distribuer à l'arrache aux libraires et tout ça qui sont sur place. Et du coup, ça a donné ça. J'en ai pris 3 exemplaires. Rassembler les gens, qui vont pouvoir aussi déterminer les orientations de la convention en invitant certains invités plutôt que d'autres ou en organisant certaines activités plutôt que d'autres. Il y a eu beaucoup, évidemment, les années 30, des années politiquement très très dynamiques, disons. Comme il y avait beaucoup aussi de liens entre des mouvements utopistes, disons, puis la science-fiction à l'époque, ben, est-ce que la science-fiction doit avoir une mission sociale, une mission politique, d'imaginer un avenir utopique, etc. Tu bois de la bière, on croit que tu bois. Une marginalité, elle est alternative parce que tu es à côté du truc, tu te places à côté, enfin tu essaies de te placer le plus possible en tout cas à côté du système dominant, mais de manière à unir. Ouais, avec plein d'impressions. Thank you.
Rentre bien. Il avait dit, j'ai rencontré l'aile de Mars, j'ai rencontré un Jésus hippie. Un Jésus hippie. Calme-toi. Atom Apocalypse, tu vois. Une référence au Beru, Thank you.